Et voici, on démarre. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Charles Reboul. Je suis conseiller innovation et mobilité durable chez Innové. Je remercie le RQEI pour l'organisation de ce magnifique événement qui est effectivement de grand intérêt pour Innové. En quelques mots, en fait, Innové, on est un RSRI, c'est-à-dire un regroupement sectoriel de recherche industrielle. En fait, notre mandat à nous, c'est de soutenir la compétitivité par l'innovation. Du milieu de l'énergie électrique et de la mobilité, donc tout ce qui est lié à la production, distribution, stockage d'énergie, et puis tout ce qui est lié à la mobilité durable, dans lequel s'inscrit évidemment l'hydrogène dans ces deux volets-là. Ce qu'on fait, en fait, on soutient la recherche collaborative, donc des projets de recherche entre des acteurs privés, des industriels, et des acteurs académiques, donc des chercheurs. Ce qu'on fait, on accompagne le projet, on permet au montage de ces projets par du maillage et autres activités pour s'assurer que les projets puissent correspondre aux attentes des différents ministères et en particulier des programmes de financement du MEI qu'on porte. Donc, c'est-à-dire que les projets qu'on va accompagner, on va pouvoir aller les financer. Dans l'accompagnement qu'on fait, on a aussi développé des communautés d'intérêt et en particulier la communauté d'intérêt hydrogène qu'on est en train de démarrer aujourd'hui. Notre objectif, c'est de mobiliser l'industrie de l'hydrogène, les acteurs en présence, mais aussi d'aller intéresser et informer ceux qui seraient les potentiels acteurs de demain, les potentiels milieux preneurs ou les industries qui ne sont pas encore dans le milieu hydrogène mais qui pourraient tout à fait s'y intéresser. Dans ce cadre-là, en fait, on organise les rendez-vous de l'hydrogène en collaboration avec l'Institut de recherche sur l'hydrogène, de Trois-Rivières. Et notre objectif, un petit peu comme l'a mentionné Simon, c'est justement de faire décoller la filière, faire en sorte qu'au Québec, on arrive justement à structurer cette filière-là et qu'on puisse sortir des projets de recherche. Et ce qui nous permettra de décarboner l'industrie à terme. Donc voilà l'effort que fournit Innové avec ses partenaires. Et puis, à nouveau, je vous remercie pour cet événement qui m'a l'air très intéressant. Merci à vous. Merci beaucoup.